Re pour les étoiles de l'e-sport. Deuxième game. On va en respect au Masco. On rappelle. Ouais, re. 20 victoires, 71 défaites en solo queue. Faire. Attends, parce que c'est ça le pire. C'est qu'avec ce win rate de 22% là, il est faire. Tu penses quoi de 3. Mon look, bro? Et franchement. Tu penses quoi de mon look là? Passe bien ou pas? C'est carré. Passe bien? Et c'est carré ma gueule. Si, si. Tomasco qui va nous ralasse une fois de plus. Il va nous ralasse. Dans délicieux gameplay. Déjà que son malfit. Et franchement, il m'a ralasse au max. Mais j'ai vraiment envie de voir son Yasuo. Oh, il a dit j'ai un pote. Qu'est-ce qu'il entend par j'ai un pote? Je crois qu'il a un pote qui est aussi nul que lui, j'espère. Let's go. Let's go. Mon bro Tomasco. Il est en queue. On attend qu'il proc sa game tranquillement au calme. On va attendre ça tranquillement au calme. ODD, le bibi. ODD à démo, le monde ou rien, Chico. Show gang, t'as capté? Ouf gangstar, ouf salem, le monde Chico et tout ce qu'il y a dedans. Bon, Tomasco qui est en queue avec certainement un ami nul. Est-ce qu'on peut lui demander le pseudo de cet ami Attends, nul? Je vais lui demander. Qu'on sache un peu qui c'est, avec qui on s'engage là. Est-ce que ton ami est nul? Est-il horrible? Plus ou moins que toi? Est-il flairant? Abominable? Quel est son pseudo? Par contre, en tant que simple invité de Solari et pas membre de Solari, oui, je vais pouvoir tranquillement prendre parti pour le chat et vous dire « Et les pubs là, c'est quoi ce bordel? Vous abusez ?» On abuse des pubs? Ouais. Au calme. Au calme. Au calme. Et franchement, au calme. Hein. Au calme. Son pseudo, c'est Argargre. Argargre, ok. Alors, on va aller voir ça. Est-ce qu'il est Pisloello? Argargre. Alors, Argagre. Alors, Iron 3. Iron 3 solo. Et... Alors, on voit que ses victoires, on peut pas voir ses défaites. Bah si, au bah, PGG. Sur OP.GG. OP.GG nous donne la solution à tout, la réponse à tout. Alors attends, il faut ouvrir G-Chrome. Est-ce qu'il a peut-être déjà joué avec lui? Ça serait parfait. Alors, Argre. Comment t'écris ça? Ok, Chab, je vais faire comme toi. Argre. Arg. C'est trop dur son pseudo. Si, si. Arg. Agre. Allez, check-moi ça, dis-moi qui c'est. Si, si. 26 victoires pour 78 défaites, 25% de victoire. Le quart, on l'appelle. Le quart de victoire. Main notion. Oh bon Dieu. Main notion. Oh bon Dieu. Sainte mère de Dieu. Le véritable. J'aime trop dire ça. Alors, on est sur beaucoup de cas. Oh, il a un... Mention, un véritable Shaco AP 2-17. Avec téléportation, donc certainement top lane en plus de ça. On va regarder directement son historique là-dedans. Let's go. Ah ouais. Ah ouais, il nous ralasse avec son hiverne attack speed. 9-20 Katarina, si, si. Le hiverne attack speed, c'est ça qu'on veut. 4-9 Nidalee, pas de jungle. Franchement, on régale. Franchement, c'est un bon père. Et je vais pas mentir. Et Tomasco, sans toi, cette émission, ce serait pas la même. Et franchement, plus sa mère sans toi. Franchement, Tomasco, toi, t'es un vrai. T'es pas comme Julian, là. 2-17-7. 2-17-3-13. Le Fiddlestick. Le véritable. Oh, let's go cette game. Oh mon Dieu. 33-23-20. 54 minutes de pur combat pour perdre. Mec, t'imagines les HP qu'il avait à la fin avec son Sion? 33-23-20. Mec, je pense... 33-23-20. Attends, avec mais le Sterak... qu'est-ce que c'est que ça? Sterak, plaque de gargouille, 260 de creep. Oh, et il devait être bien. Et tu sais quoi, Tomasco? 1v9. 1v9, Tomasco. T'es 1v9 avec tes 3 boubous de Doran. Et franchement, Tomasco, et t'as raison, mon pote. Le triple boubou. Oh mon Dieu, il devait être si
Tonki à la fin. Il devait être si salé. Le roi, c'est le. Putain, les dégâts qu'il a collés. Un V9. Bon, mais attends, dégâts. Mais ils avaient pas la Décari. Ah bah non, c'était Tomasco la Décari en fait. Attends, total damage to champion. Ah ouais. C'était Tomasco. Moi je veux voir les dégâts subis moi. Et là. Damage taken. Si, si. 129 000 de dégâts tankés. Si, si. C'est ça ma gueule, c'est carré. 129 000 de dégâts. Si, si. Et franchement, c'est propre. On est en Champion Select depuis un moment maintenant, donc je pense qu'on va pas tarder à trouver la game. Est-ce que tu m'autorises à me désaltérer un petit peu avant que ça commence? Allez, va boire. Je le ferai dans une tasse Solari. Allez, va boire un petit coup. Très bien, je vais boire un tout petit peu, je reviens vite. Tomasco, du coup, ah mec, il a quand même osé. Le hiverne, attaque speed AP. Ah mais il fait des duos avec Tomasco, hein. Il se fait aïe aïe aïe. Aïe 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 cette partie. Ok, ok, me revoilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, mais comment tu veux monter en elo aussi gros, regarde ça. Sérieux mec, Tomasco trop fort, Argak trop fort, mais regarde quoi, un troll. Un troll, double jungle. Deux jungle, Udyr il fait quoi, il troll la game. Et franchement, ça me dégoûte les mecs comme ça. Comment tu veux gagner de l'élo, gros? Ok. Ça va beaucoup mieux, excusez-moi pour ça. Spectate la game. Let's go. Qu'est-ce qu'on a? Ok, oh là, oh, qu'est-ce non, que non. nous avons? Eh non, Tomasco, il nous sort son oh Z. Oh mon dieu, il y a un Z et un Yasuo. Un Z et un Yasuo en fer, let's go. Let's go, ça va bien jouer le beau jeu. Let's go. Alors, on a Jinx, on a Lee Sin, on a Kyle, on a Z, oh, on a Blitzcrank. Lee Sin. Alors, pour ce qui est de la répartition, pas compliqué. Hein. On pourrait souligner l'Ignite de cette Jinx. Nous avons donc Jinx, Blitzcrank, double Ignite en botlane. Encore un troisième Ignite sur ce Z midlane, la téléportation Kyle top. Et le Lee Sin jungle. Oh, attends, mais on a la trinité du swag là. Attends, un Z, oh mon Dieu. Un Lee Sin et un Yasuo en fer. Oh les swag lords. Oh ça va être si bien, ils vont être dégueulasses. Nous avons oh un mon Dieu. Un Jacques dans la jungle, un Moondal top lane, Vel'Koz Kai'Sa bot et le Yasuo en mid lane bien évidemment. Yasuo contre Z, le match-up du beau jeu. C'est qui va le mieux jouer surtout sur cette mid lane? On rappelle Tomasco, flash ulti Malphite dans le vide, au corps à corps. ODD. C'est pas tout le monde qui en est capable. Le monde Chico ou rien en fait. Le monde Chico et. Et tout ce qu'il y a dedans. Out tout... partout. Même dans ton trou. Exact, chapitre à tes références. Plus que 1 minute 10 avant que cette game se lance. Ce nectar, ce délicieux jus de toilette que nous allons déguster avec les yeux. Nous sommes prêts. Ce délicieux jus de toile. Oui, Chapquette. Ce jus de chaussette qu'on va, on va se délecter ensemble, les ah, amis. Très, très, très clairement. J'attends que ça. Le League of Legends Finest. The Finest League. The Finest. The Best of the Best. I love this game. I love this game. I love this mission, man. I love this game so much, bro. Bon, quelques pronostics. First boot de quel côté? Alors, qui aura le scaling? Qui va le mener? Moi, je pense qu'un first boot de Lee Sin me semble pas déconnant. Après, il faut quand même qu'on rappelle qu'on est en bronze. Ils sont tous très nuls. Ils puent. Ils puent. Et c'est pour ça que je ils pense sont que... horribles. Ils sont horribles, en fait. C'est pour ça que je pense que Blitzcrank, il va juste hook quelqu'un qui va pas dodge parce qu'ils sont horribles. Et ils vont faire un kill grâce au double Ignite au bot. Moi, je pars du principe que Z va gagner le match-up contre Yasuo. Ouais. Parce que faut vraiment être super méga chaud sur Yasuo pour pas se faire dominer par Z, Imo to be honest. Ouais. Ensuite, pour ce qui est de la top lane, on a Kayle face à Mundo. Moi, je donne l'avantage à Moondal. Surtout que Kayle n'a pas pris le conquérant contre Quelle Mundo. Erreur! Après, le conquérant n'est pas obligatoire, mais peut-être une autre maîtrise offensive, tu vois. Je pense que le glacial augmente n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Une létale tempo, quelque chose, un petit truc, là, ça servira et pas. Et on rappelle que Kayle est le duo de ce cher Tomasco.
Et qu'à eux seuls... Ils ont les deux solo lanes. À eux seuls, ils cumulent 150 défaites pour pas loin de 41 victoires. Franchement, ils m'ont bien ralasse. J'ai bien mangé. J'ai hâte de casser cette game. On est à 91%. On est encore en train de bloquer sur une personne qui se fait cacher par le nouveau système de Riot anti-cyberbully, on le rappelle. Merci, encore Riot. Un Jax avec son petit conquérant. Prezi attaque Kaisa. J'aime bien Prezi attaque Kaisa. C'est fort. C'est un énorme burst. On va pas s'ennuyer. Le petit Airi Vel'Koz. Bon, Airi, c'est... Est-ce que tu peux vraiment te gourer avec Airi? Non, Airi, c'est rarement une faute de goût. Après, à noter qu'avec... Airi, c'est tout le temps bien. Avec Vel'Koz, c'est quand même mieux la comète. Étant donné que tu as 2 CC et ce qui fait que la comète était inesquivable. Exactement, c'est ce dont je voulais te parler. Oh, la comète aurait été mieux, mais le Airi reste tout à fait acceptable. Bon, le glacial augmente sur cette Kyle, c'est flairant. Clairement, on va le dire. Ça pue. Hein, c'est... Les effluves. C'est nauséabond. C'est des effluves de merde m'arrivent aux naseaux et ça me dégoûte en fait. Ces effluves épouvantables m'arrivent aux naseaux et j'ai du mal à les supporter. Allez, ça commence. Tranquillement, qu'est-ce qu'on a au niveau des stuffs? Un grand classique pour l'instant sur les deux jungles. Oh, excuse-moi de te couper, mon frère Chapi, mais je n'avais pas remarqué le pseudo de Mundo. C'est Pomipol. Le petit Pomi. Il s'agit de Pomipol accompagné de Totoche. Et en mid lane, nous avons Mupecino. Mupecino. Oh là là, Vegeta. Oh, si seulement yeah, il savait. Yeah. Si seulement il était au courant. Oh, c'est yeah. Pas comme s'il avait envoyé un spell. Oh non, mais que. Il a pris un coup de tourelle, le Jax a déjà pris un coup de tourelle. Oh, mais Overspark. Ah, il a le flash est très mauvais. Oh là là. Oh là là. Oui. Oui. Et le premier sort. Qui est récupéré par Thomas. Agragragragre. Qui se bagarre. Ah, oh, le flash. C'est bien vu. Oh, le Mupecino. Mupecino. En embuscade dans le bush. Attends, je rêve ou Tomasco Tomasco un starter ombre là. Tomasco qui start à l'ombre pour accroire sa mobilité pour un peu peut-être match avec la mobilité du Yasuo niveau 1. Oui, c'est vrai. Merci à tous. Du coup, franchement, un gros GG à toi, mec. Franchement. Franchement, GG. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. GG. Et surtout, n'arrête pas. Pour ce qui est de Vel'Koz, on peut se dire qu'il a un flash contre Blitzcrank, Jinx, dès le niveau 1. Je donne pas cher de sa peau. Oh que non. Surtout qu'on est sur un jungle très agressif, à savoir Lee Sin, qui ne va pas hésiter à pousser dans l'agression avec cette invade sur le bot side. Et moi oh je pense Dieu. Que... Oh mon Dieu. Qui a-t-il? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Oh non. Tu pues. Et ah. Tu sais quoi, je vais même pas m'embêter à chercher un truc compliqué, juste tu pues. Tu pues. T'es là, tu pues. Ah, c'est... Ces effluves des troncs qui... Attends une petite minute. Qu'est-ce qui se passe? Kyle n'a pas sa téléportation, pourquoi? Ah, bah c'est très simple en fait. Oui. Il a TP sur sa lane au niveau 1. Ah, effectivement. Oh, il est slow l'adversaire, c'est bien. Je n'y avais pas pensé, le slow qui permet de rien, c'est pas mal. J'aime bien ça, j'aime bien ce genre de tactique. C'est bien vu, franchement le slow pour rien, c'est pas mal. Ouais, oh, ouais, on est sur le... Oh mon Dieu. Oh les trades. On lui pète la gueule. Oh les trades, ils sont bien gérés au top. Oh les trades. Oh là là. Oh là là, regardez-le Totoche. Oh là là. Totoche. On peut voir Totoche qui... Totoche partout. Vegeta. Mais on dirait qu'ils sont wardés alors qu'ils ne sont pas wardés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Totoche. Mais c'est flairant. C'est une honte. Totoche. C'est une honte, voilà, oh, c'est une honte. Et le petit Le petit Pomipol. Oh, oh. Tomasco agressif. Boum, boum. Ah oui, c'est bien trade. Et ça, oui, c'est bien trade. Franchement, c'est bien trade. Oh, c'est bien trade. À croire que le suspect n'a pas touché. C'est parce que il s'est passé un truc au top. Et je suis quasiment sûr, au vu des scellés de Lee Sin, que c'était de la merde. Je veux quand même vérifier. Ok. Alors, une seconde, oui. Ok, c'était bien. Ouais, okay. C'était juste pour être sûr en fait. Okay, ouais. On peut repartir dans la game. Bah, très sincèrement, je pense que ça ne surprend plus personne à ce stade. C'était de la merde. Oh non, Tomasco qui est mort en 1v1. Bon, c'est pas grave. Chapi le chat. Ah,
exact. Est-ce que... Mais normalement, on l'a de base maintenant. Normalement, on l'a. Oh, mais attends, parce qu'on rappe une. Oh, mais y'a rien. Y'a rien, parce que Vegeta, il était pas là en fait. Du coup, il a respecté ça, l'adversaire. Est-ce que le whole chat est indiqué cette fois-ci? Oh! Il pue en fait, ouais, c'est bien ça, ouais. Et je crois qu'ils puent tous en fait. Et tu peux descendre? Ah, voilà, faut le mettre. Ah, faut le mettre à chaque fois, ok. Et on peut voir Mundo qui, non content de casser la gueule à son top laner, décide de casser celui-ci également. Vegeta va-t-il avoir ce last hit? Oui! C'est bien vu ça, Vegeta qui est en train de largement outfarm Overspark 117. Oh, on est sur un rush item, je sais même pas comment il s'appelle. Oh cet oui! Item. Oui! Comment il s'appelle ce petit item? Je l'ai acheté plein de fois, j'ai jamais retenu le nom. Shirdez, je sais plus après. Je sais, on va vérifier. Mais il y a aucun doute, c'est vraiment le truc. Chase Shard, c'était pas Shirdez. C'est vraiment le truc le plus flairant à rush dans le statique. Je suis pas sûr, parce qu'honnêtement, il était bien buff par rapport à avant où il puait. Attends, Chap, t'es en train de me dire que là, pour 600 gold, il a ça, alors qu'il pourrait avoir 2 DAC sur Yasuo. Et ben regarde, tu peux prendre des bons trades à 50 bonus de dégâts magiques. Mais il ne l'aura jamais. Bah, sur Yasuo, peut-être pas, mais sur un ADC, par exemple, sur un ADC Rush Stormbrazor, ça peut être intéressant, je crois. Oh mon dieu, le proc de dégâts magiques, j'ai rien dit. Ça a fait très très mal. Oh mon dieu, les dégâts. Mais c'était monstrueux. Oh là là, Totoche partout, même dans ton trou. Totoche qui est sur toutes les lanes. Absolument partout. Le counter gank, c'est bien vu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce petit Mui Tomasco contre Mupetchi? On tire là, ouais. En termes de farming, c'est plutôt even. Faut pas oublier que Yasuo a pas mal de farm à prendre sous tour. Z, excusez-moi. Je pense que Z garde son Ignite et va faire un gros lean au Yasuo au niveau 6. Alors, je pense qu'il garde son Ignite, mais je suis quasiment sûr que ça se passe pas comme ça dans sa tête. C'est juste que... Il a son Ignite. Il a son Ignite, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de question de niveau 6. Oh non! Oh mais ça... Putain! Il a loupé le canon. Quand je vois ça, ça me... Mais fais proc ta poigne! Idiot! Imbécile! Le véritable! Pommy Paul, honnêtement, tu te foutrais pas de la gueule du monde, là. Est-ce que tu nous pisserais pas dessus, Pommy? Pisse à la gueule, là, quand même. Franchement. Oh Tomasco. Oh oh oh. C'est maintenant. El Tornado. Oh oui. El Tornado. Oh oui. Ignite. Oui. 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 Et je l'avais dit. Il garde l'Ignite. Il garde l'Ignite. Et ça trade au top. Le slow peut-être. Le flash in. Ah non, il aurait dû flasher par-dessus. Il aurait dû flasher par-dessus le Q-spell. Et Overspark, je suis un peu dégoûté, Chap, de voir qu'un Vel'Koz qui commence la game sans flash contre Jinx, Blitzcrank, ne meurt pas en lane. Mais moi, je vais te dire, moi, je suis en train de... Je spec cette game et il n'y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est Better Jungle Wins. Oh! Oh, mais attends, il est en train de tanker pour son super pote! Oh là 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 là! Oh, c'était... Si seulement il avait un flash ou un dashward et il possédait sa. En ça! Totoche! En ça! Je suis énervé là! More like. Patoche! Ok, et la Lee Sin qui loupe son Q-spell. Et enfin, va-t-il! Oh! Il n'avait pas la vision. Il n'avait pas la vision. Par le dashward, c'est agressif. Il va l'avoir. La tornade, mon grand. Allez, le Mondurien, Chico. Putain, mais tu fais... Oh, ça me dégoûte. Oh, Mupecino qui ne prend pas les occasions, ça m'agace. Tu me débectes. Vermine. Ok. Oh, la téléportation dans le bac. Oh, on a surtout des rush mobilité. Attends, non, Argarg. La TP dans le bac. Oh. On l'a vu. Oh oui. Oh oui. Allez, mon grand. Oui, oui, oui. Allez. Oui. Allez, mon grand. Oui. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oui. Oh, mais c'est juste le pire play que j'ai jamais vu. C'est dégueulasse. C'est une honte. Oh, moi, la merde. Attends. Oh, tu me débectes. Tu me débectes. Non, par contre, Mupecino. Mais il recule. Mais il se fout de la gueule de quoi? Mais il recule. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Et niquez tous vos merdes, c'est trop nul. Et tu sais, je vais même pas le dire. Tu sais quoi, je vais... Oh oui, Totoche. Oh oui, Totoche. Oh, let's go, let's go. Il y a un vrai frère dans cette game, Totoche. Et tu sais quoi? Vous êtes tous trop nuls. Et je me verse un petit peu d'eau. Je me désaltère bien. Un grand merci à Solari pour cette eau. Oh, Tomasco les mobis. Tomasco, ça paye. Tomasco, on voit tes sorts. Tomasco, l'ultimate. Il touche tout, sauf le Q-spell. Mais ça passe. Tomasco,
Le Petit Prince, la valeur sûre dans cette game. On rappelle que Tomasco était quand même un des pires joueurs de la game d'avant. Oh là là, on est si bien que lorsqu'on est hydraté, excusez-moi de vous couper, mais je tenais à le dire. Et cette game, c'est sans doute le meilleur joueur de cette partie. Effectivement, Tomasco qui pour le moment mène l'early game d'une main de maître. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'il puait la game précédente. Et là, il est pué. Pas trop, tu vois, c'est pas comme si c'était le Winter. Non, il hintait pas, mais il était pas très précis quand même sur CR. Il était pas terrible. Oh, le mais spell, de là, ça touche King, pas. C'est pas correct. Ça touche pas, franchement, c'est dommage. Oh, mais attention, Totoche. Mais non, mais Better Jungle wins. Oh, mais ça recommence. Guys, can we have a jungler, please? Can we have a jungle? Man, look at this trade. Oh mon dieu, c'est l'apogée des mécaniques. Let's go. Faker en sueur, la Corée en sang. Pommy fucking ball. From the top lane, killing this Kyle. Oh, oh. Mupecino. Oh, Mupecino qui rate tous ses combos. Vegeta, mon grand. Oh là 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 là. Oh, attention, parce que là, on va peut-être être dans la merde. Totoche qui décide de pas go in. Ok, le dragon infernal qui est récupéré en plus de ce Jax. Donc il est devant sur les ganks, sur le farm, sur le scaling grâce à son champion et sur les objectifs. Man, just better jungle wins. Je fais quoi, Lee Sin, là? T'es en train d'ouvrir première pro pour ton petit montage de merde? On s'en fout de tes kicks à la con, joue la game! Joue la game, connard! Et t'es nul! Joue! Gank le bot! Fais un truc! No flash! Oh, le niveau 6. Le niveau 6, ça part de là. Ça part de là, il attendait juste son niveau 6 pour faire des ganks. Ok, le niveau 6 qui est récupéré de la part de Lee Sin qui a toujours 0 item AD. Oh, le gank a diminué. Oh, allez, Tomasco! Allez, Thomas! Oh non, Thomas, franchement. Oh, tu peux te faire turn là, Thomas. Franchement, Thomas. Oh, il a flashé, il a respecté le all-in potentiel du Yasuo qui a. Et franchement, Thomas, conquérant. Je vais pas mentir. Et tu joues trop bien, frère. Franchement, Thomas, t'es sur un bon truc là. Thomas, t'es à rien d'être LCS là. Faut juste que tu mollisses pas. Faut surtout pas que tu mollisses là. T'as des bots de mobilité, si tu nous entends là, tu le push at lane et tu vas en bot lane. Allez, bot tu lane, décales, tu décales, tu gank, tu gank. Bot lane, c'est open bar. Va pas en top lane, ça sert à rien. Pommy Paul, il est trop fit, ton pote, il est trop nul. Oh, oh, attention. Oh non, le retour des mécaniques. Mais je pense qu'ils ont tellement pas de dégâts. Oh, les dégâts du Lee Sin qui a même pas son item jungle. Oh putain, le Lee Sin qui était vraiment transparent. Mais heureusement que laquelle, il y avait des dégâts décents pour finir ce Mundo qui n'a pas de résistance magique. Rush Warmog. Mais tu te fous de la gueule de qui avec ton Rush Warmog? Tomasco qui prend deux petits coups de tour. Mais c'est parce que Totoche arrive et il veut lui laisser le cœur. Oh, c'est bien joué. C'est Totoche. Attention, il n'a plus de compétences défensives. Oh, mais il se fait attaquer. Oh là là, Totoche qui a rush l'item attack speed sur Jax. C'est pas mauvais. Ça fait des dégâts. Oh, Tomasco. Oh, et Tomasco, le troisième coup, Tomasco, le véritable l'empereur. Oh non, mais dis-moi pas qu'il va survivre. Il survit. Oh, Pommy Paul. Oh non, Pommy il est mort. Fucking Paul. Pommy Paul. Le roi Pommy. Ah là 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 là. Le roi Pommy. Le plus beau des mondes de France. Le roi des pommes, le roi du jus de pomme, le roi du cidre, le véritable. Oh là 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 là, mais ça joue bien au bot. Et ça joue très très bien et elle s'enfuit bien trop loin. Elle devrait retourner taper ses plaques pendant que Totoche et Popom sont en train de récupérer les plaques de la top lane. Oh là là, mais en même temps, quand tu combines deux personnes à 20% de win rate, c'est quoi les chances de gagner la game, honnêtement? Je suis pas mathématicien, mais c'est très peu. C'est très très peu, hein. Et à noter que... Oh oui. Et le dire oui. Oh là 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 là. Mupecino qui commence à faire des mécaniques. Oh là là. Oh là là là. Et c'est Vegeta qui prend le kill, 31 Vegeta. Oh mais top, ça push. Aïe, ça prend quelques plaques au top. Des très 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 bonnes choses. Attention, agre. Oh là 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 là, le flash out, ça respecte du côté de Pommy. Ah, on est sur quelque Paul. Chose d'assez respectueux du côté de Popom. Mais non, mais ça respecte plus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, dommage, j'ai rien qui touche. Ah, ça ira peut-être quand même. Ah, il y a un deuxième coup de tour. Oh, j'en reviens pas. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? Oh mon dieu, je. Mais y'a rien à dire. That's so cringe, bro. La Kyle n'est pas plus à blâmer que le Mundo ou le Jax. Attends. Et franchement, Chap, je te rejoins. Cringe. Oh wow. Hey, what, you don't flash the wall? Cringe, bro. Wow, I'm cringing.
That's so cringe already. Oh, what the fuck? Oh, fucking cringe, man. Oh, man. I can't stop cringing right now. A noter que Muppetino est le petit prince de cette game. Muppetino qui est sur son bon scaling là pour le moment, malgré un playstyle bien trop défensif. Et Mundo qui a rush Shower Mock, tel l'étron qu'il est, couplé à des sandales de sérilité. Il ne s'arrête pas dans son jus d'étron, il se noie dedans. Oh, ça touche! Oh mon dieu! Oh, ça touche! Ah, j'en peux plus! Et on peut voir Jinx aussi qui joue sur la sustain avec quadruple potion. On me dit dans l'oreillette qu'il en avait 5 auparavant, Chapi. Ça va, bro? J'en peux plus! Ils sont trop nuls! Je crois que ça a pas l'air d'aller, mon Ray. J'arrive plus! Ils sont vraiment trop nuls! Oh là, c'est un nouveau chapeau, je vais changer de tenue. Si! Oh, Tomasco! Oh, Tomasco, il va... Oh non, l'ombre dans le mur! Oh, Tomasco! Oh, ce que t'as loupé! Tomasco! Thomas fucking Sco! Ok, je suis un cowboy maintenant! Thomas fucking Sco qui rattrape la merde de son pote de top laner! Ah là 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 là, oh Tomasco! Mec, par contre, il a trop bien joué! Il a trop bien joué! Est-ce que je peux avoir le droit à un replay? Franchement, ce serait super sympa! On va regarder ça ensemble! Regarde ça, Tomasco, t'es mort là. Toi t'es Tomasco. Oh, il dash dans le mur. Ouais. Mais en fait c'était pour mettre son ombre ici. Ouais. Et mettre tous les shurikens. Oh. Mais c'était giga smart. Mais c'était tellement bien joué de la part de Thomas. Mais c'était giga smart. Si seulement un item s'appelait les Tabi Ninja, ouais. Mundo. Ou bien la capsulaire ou le visage spirituel. Plutôt que ta rush war merde là. Oh non là. Mais Tomasco qui décide de run down la game. Oh non. Oh non, c'est oh dommage, non. Ça partait si bien. Oh mon petit no. Non, il ne fera rien du tout. Oh, le dodge, ça touche. Oh, l'ulti. Ah, ça touche pas. Ça touche non, pas. C'est qui a décidé d'ulti. Il pue. Oh mon dieu. Oh, Toto. Oh, il a fait le dodge auto-attaque. Il n'a pas fait le jack 6 bronze. Il n'a pas fait juste. Dash, Z, Q, auto-attaque. Il a fait. Et oui, dash, es-tu là? Auto-attaque Z. Ah, mais il pue. Et pendant ce temps-là, Muppetino qui respire à pleine narine cette odeur nauséabonde pendant que Pommy fucking Paul le récupère. Attends, mais. Kale, pourquoi tu regouines? Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, le kick. Oh, sous la tour! Oh, dommage! Eh, franchement, ce Q-spell, il est pas facile. Tu penses qu'il avait calculé le fait de le faire traverser le mur? Ou c'était de la pure RNG chancheuse? Non, je pense qu'il était en mode hors de ma vue, va-t'en le plus loin possible, et coup de peau, il y avait une tour. Ok. Oh, Jax! Oh là 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 là! Le rasoir, les berserks, le pistolame, et on ne s'arrête pas, on rajoute deux dagues! C'est la Guinzo qui part, c'est le Jax hybride. C'est le Jax guerrier! Mais c'est le double Drake de feu! Il part sur son deuxième Drake de feu et oh ça... Oh là là! Oh non! Oh bon dieu! Jax! Et le XD! 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 XD en slash all! Vegeta qui se forne un XD. Oh, 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 le mec addict. Oh, mec, Muppetino. Ah, mais il est si fort. Ah non, ah non, il pue en fait. Ah, il est très flairant en fait. Oh là là, Totoche. Oh, qu'il est feed. Oh, il est joliment feed. On est face à un petit problème. Oh là là. Oh, Vegeta qui BM. Il BM. Troll. Ah, il se fout de sa gueule. Oh non. Oh non, qu'est-ce que... Quoi? Mais il s'arrête jamais, Pommy fucking Paul. Oh là là. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. Avec Pommy. Comme dirait Stromae. Avec Pommy, ça ne s'arrête jamais. Des sensations fortes infinies. Oh, j'en reviens pas. Oh, oh, Totoche. Mais cette game... Totoche. Cette game, c'est juste la quintessence de la merde, Zolka. Oh, la quintessence de la merde. Et pendant ce temps-là, Vegeta qui récupère 1000 gold oh, sur ce Jax. Oh, oui. Oh, oh, c'était propre. J'en reviens pas, il a flash. Il a flash, c'est dommage, c'était oh propre. Oh là 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 là, mais fallait qu'il... Mais oh non. Oh là. Et franchement, c'est le jubilé de l'étron. Oh, le jubilé de l'étron et Muppet. Oh, le flash. Oh, l'étronade. Mais ça ne s'arrête pas. Mais je vous jure. Mais attends, mais il avait l'ulti. Mais pourquoi t'as... Mais t'as cru quoi? Oh mon dieu! Mais j'en peux, c'est plus possible! Et Mundo a flash! Oh là là! Mais c'est. Mais je démissionne!
Mais c'est quoi cette merde? Je ne veux plus, Casto, cette merde, on se fout de ma gueule. Il y avait un moment, je vous jure que les bronzes étaient moins pires que ça. Mais là, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Franchement, Mundo, big flex à toi. Big respect. Huge respect, Mundo. Flex to your family. J'ai du mal. J'en peux plus. C'est une honte. Ben. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas ça les fait mots. 15 ans que League of Legends est sorti et ils arrivent à être de plus en plus nuls. Ah là, je crois que là, on est sur une quintessence des étoiles de l'e-sport grâce à ce palier fer et à Tomasco, on le rappelle. Je tiens à applaudir Tomasco. Tomasco, mon vrai frère. Tomasco, mon vrai frère, qui a même ramené son petit frère débile pour jouer avec lui et nous le présenter. Et ça c'est gentil, Tomasco. Mappuccino. Et là, ouais, on peut voir ça qui connecte sur les creeps pendant que Totoche décide enfin d'être un peu intelligent et d'acheter une trinité. Un grand merci à lui. Je commençais à perdre l'espoir. Oh là là, mais j'avais pas. Oh mon dieu! Oh, Mappuccino, le bon rôle. Ah, ça ne va pas s'arrêter. Oh non! Oh là, il est mort. Oh, Pommy fucking Paul! Qui fera rien du tout. Oh, les mécaniques, le beau jeu. Oh, le roi du sel. Il est tellement sodium. Oh là là, il est si salé. Oh mon dieu, oh, les auto-attaques. Ah, 17. Ah, 17. Ok, là on peut voir Jax qui prend les creeps, qui sustain. Oh, attention, les dégâts qu'il reçoit sont phénoménaux pendant que Argargra est en train de détruire cette tourelle top. Il est en plein rage split. Wait, split L9. Ah, attends, il y a le R qui arrive bientôt, Tomasco. Oh là là, okay, oh oui, okay. Oh dommage, oh non. Mais tu vas connecter. Non, il a bien dodge. Oh oui. Oh oui, les réflexes étaient décents. Et pendant ce temps-là, il s'en sort. Attends, c'est pas fini. Le R. Oui, bien sûr qu'on y va. Bien sûr qu'on y va. Sors de la tour. Pendant que Big Ali qui va sous cette tourelle et qui les démonte. A noter que la Jinx farm exceptionnellement bien. Un grand respect à elle et un grand GG et surtout un grand merci. Franchement, respect. Ça peut pas être facile de jouer à League of Legends avec ça, quoi. Ça doit être un travail quotidien, que ce soit sur soi-même, le monde qui nous entoure, ainsi que les autres. Oh, Mappuccino! Mappuccino, les bons. Mais il pue! T'étais pas foutu de tout toucher ce tuyau? Mappuccino! Oh, il s'est fait slay! Ah bah, Oh, Totoche! Là, on est sur deux stuff full DPS, hein! Totoche, les bons dégâts, mais Vegeta qui va pas pouvoir boom, s'en sortir. Boum, boum, et oh, ça tape! Oh oui! Pommy fucking Paul! Pommy fucking Paul! Fucking Paul! Let's go! A noter que Totoche est 1v9. Hein. Ok. Il y a un ultra-locate dans le vent, nous dit Taipou. Il y a que de ça. Hein. Je sais pas si t'as remarqué tes pouces, mais il y a vraiment que de ça dans la game, des trucs dans le vent. Il y a vraiment littéralement que des trucs dans le vent dans cette game. Il y a beaucoup de choses dans le vent, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas à la fin de cette partie de faire notre plus beau flex. Pommy fucking Paul qui nous vend du rêve tout au cours de cette partie. Pendant ce temps-là. Inferno. Et non, pas un triple. Un double. Un double. Le troisième dans la game. Ah, certes, d'accord. Oh mon dieu! La BF sur le Blitzcrank. Blitzcrank décide de prendre les choses en main. Il se rend compte que son équipe n'est pas une source fiable. Oui, mon grand. Mais il tape si fort. Totoche. Oh là, dommage. Totoche qui va tomber. Et oui, la BF qui paye. La BF qui paye sur ce Vegeta. Oui. A noter que HHH Dada a quand même beaucoup d'attack speed. Oui. Il n'a que ça même, j'ai envie de dire. Il n'a absolument que ça. Il n'a rien d'autre, mais il en a, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il décide d'acheter? J'en ai pas la moindre foutue idée. Attends, on va voir là, c'est le moment d'acheter. C'est le buying time. Qu'est-ce qu'il nous fait ce petit Lee Sin, là? Est-ce qu'il... Attends, mais il... ouais. plutôt que de vendre... Oui, le flou... Alors, Dada, plutôt que de vendre ses 4 foutues potions... Non. C'est la fin. Ils ont réditionné. No way. No way.
Non! Oh là là, mais mec, c'était tellement. Mais c'est quoi c'était ça? C'était tellement un nectar de merde des troncs! Oh, mais cette game était un jus divin, je voulais qu'elle continue! Encore et encore! Je voulais qu'elle ne cesse jamais! Oh, elle était si bien! Oh, il y avait des plays à gogo, pourquoi ce FF? Oh là là, mais c'était. Il y en a... Mais c'est franchement, je crois que c'est la game la plus immonde que j'ai eu l'occasion de spectate sur League of Legends. Je suis d'accord avec toi, Chapi, et je pense qu'on peut dire que cette game, tu peux te permettre de zoomer sur chaque joueur de cette équipe et te la re-regarder. Chaque joueur est un spectacle à lui tout seul. Je pense que si vous voulez faire ça, on ne fera pas parce que c'est quand même vachement long, de faire 10 fois 23 minutes. Donc n'hésitez pas sur OPGG, la game de Pommy fucking Paul. Pommy. Vous la téléchargez et vous regardez tout. Et franchement, tu sais quoi ? Tu ramènes ta petite go, tu regardes cette game, et franchement, le game est carré, ma gueule. Franchement, t'es au calme. Et franchement, faire 4 et chill. J'aimerais tip mon Fedora, mon chapeau, à Tomasco. Pour Pommy fucking Paul. Et j'aimerais également flex Pommy fucking Paul. Big flex à toi, Pommy. T'épouses ? Débrief. Débrief-moi cette merde, t'épouses. T'épouses ! Débrief ! Ouais, très belle game, hein, encore une game de bronze de merde. Hein. J'aimerais quand même que mes invités compères, à savoir Alderiat et Chap lui-même, pouvaient venir près de moi. Hein, parce que bon, on va un peu débrief cette game ensemble. On peut dire quand même que notre viewers adoré, malgré son niveau de jeu exécrable, a plutôt step-ups dans cette dernière game. Oui, le micro. Et puis, moi j'ai vu Ayazu quand même un peu beau jeu par moment, tenter quelques petits moves par-ci par-là. Clairement, je pense qu'il a regardé quelques vidéos d'Arcadata, on sentait que les tricks étaient présents. Oui, la Jinx aussi, on peut signaler 40 CS à 20 minutes, plutôt belle performance. C'est au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. On est sur quelque chose de sympathique. Je suis assez déçu aussi parce qu'à un moment j'ai vu un ulti top Kayle. Alors pour savoir le move, parce que vous ne l'avez pas vu, le chat vous l'a spammé dans le chat pour le revoir. Ah, en désolé. Gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était une Kayle autoroute top qui tapait la tour. Et à un moment, elle a pris l'aggro de la tour parce qu'il n'y avait plus de sbires. Et elle ne l'a pas vu. Et puis après, elle a fait oh merde. Et puis elle a ult. Et voilà. Il était en alta, sans doute sur Messenger. Oui, il parlait avec ses collègues IRL. Il venait de recevoir un Wiz. Il avait foot là. Donc, un bon vieux Wiz. Voilà, sinon Tomasco, gros big ups. Domination totale de ce gars. Un step up. Franchement, on l'avait vu en support, il était un V9. Franchement, LOL. Je comprends, mec. Non, franchement, il s'est fait LOL. LOL. Est-ce qu'on pourrait rappeler le duo de Tomasco? C'était la Kyle Agre. Franchement, Toba, si tu veux monter. Tej. Va peut-être falloir briser les amitiés. Va falloir Tej sa mère. Franchement, ton duo pue sa mère, gros. Franchement, Toba. C'est par toi. Je peux vous le dire, hein, j'en ai vu des bronzes de merde et des fers de merde, hein, mais des comme ça, oi oi oi. J'avais envie de vomir. C'était la quintessence. Franchement, cette game à elle toute seule, c'est 5 best-of. Et tout à l'heure, je suis allé en haut, j'ai coulé une belle pêche. Je peux vous dire qu'elle était plus belle que cette Kayle. Hein. Ah, je peux vous dire que franchement, ça c'était vraiment la merde des merdes. Hein. Alors, c'est vraiment le lowest low. Thomas Coste nous entend. La crème. Je comprends, Diego, je comprends. Jette ça. Jette-moi cette merde. T'as rien à faire avec ça, franchement. T'as rien à faire avec ça, mon rayon. Tu mérites mieux, mec. Voilà. Tu mérites mieux. C'est quoi ça? Ouais. Franchement, ça s'est vu, cette attitude de lion que tu as. Il faut que tu la gardes et que tu montes en elo. Cet esprit de lion que tu as en toi. Oui, je continue d'aller pique beau jeu comme ça, du Z, du Yazuplo. Tu peux le faire, mec. Du Malphite support. Oui. Tu peux le faire, mec. Attention, flash ulti avec ton Malphite. Attention. Je peux faire un move fabuleux aussi du Mundo, hein, qui pensait que le Z, ça pouvait pas se désactiver. Et qui a gardé son Z pendant, je sais pas, 10 bonnes minutes. Et il est mort sur le carapateur, sur l'Hérald. Voilà, je crois qu'il n'avait pas compris qu'on pouvait le désactiver. Effectivement, ça coûte quand même cher en HP. Effectivement, petit conseil, si vous êtes bronze, lisez les sorts. Oui. Ça aide. C'est un step-up garanti. Lisez les items aussi, ça aide aussi. Et franchement, regardez les guides sur Internet. Arrêtez d'acheter des items parce qu'ils sont beaux, s'il vous plaît. Prenez des items parce qu'ils sont forts, voilà. Exactement, et c'est pas parce qu'un item il ressemble à une armure qu'il faut faire que ça, en fait. Oui. Faites un mélange des deux, peut-être une armure et une épée, histoire d'avoir un peu de dégâts offensifs. Vous pouvez rajouter un bouclier, un casque, voilà. Une amulette, des anneaux. Voilà, mélangez un peu. Faites pas 5 armures, quoi. C'est comme ce Garen de Tomasco. Oui, ce Garen de Tomasco, déjà stacker un item, c'est pas ouf. Stacker un item avec un passif unique, c'est pas ouf. Le faire 4 fois, bon, ça me fout foutage de gueule. Hein.
je vous pisse à la gueule, enfin, je veux dire quelque part. Non, je veux dire, on faut bien commenter tes games, oui. Et fais un effort, quoi. Respecte-nous un petit peu, quand même. Sérieusement. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé ces étoiles de l'e-sport. Merci à Alderet d'être venu à Tours. Un grand merci, Alderet, d'être venu. Et puis, merci à vous d'être aussi nombreux pour regarder les étoiles de l'e-sport, pour regarder ce jus d'étron. On est désolé de vous avoir proposé ce gameplay, mais que voulez-vous, c'est le meilleur de League of Legends. C'est l'émission, hein. C'est l'émission qui veut ça. C'est le concept. Hein. Et puis, passez une bonne soirée. Et on vous dit à dans 6 mois pour d'autres étoiles de l'e-sport. Merci à vous. À très bientôt.